Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez? Enfin, est-ce que vous m'entendez déjà? J'espère que la petite vidéo d'intro vous a plu. Ça permet de bien introduire la thématique du jour. Déjà, n'hésitez pas à utiliser le chat en bas à droite pour nous dire si tout est OK niveau son. Et puis, bonjour Hugo. Salut Et Lisa. salut qui nous rejoint directement de New York. Du coup, c'est un peu tôt pour lui en ce moment. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation de faire cet atelier ensemble sur la Merci à rétention. toi. Peut-être qu'avant de commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, ou pour en savoir un peu plus sur toi, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui t'a justement, qui tu es déjà, et ce qui t'a mené sur la voie de l'email marketing Yes, carrément. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui pour parler de Winback. Du coup, je m'appelle Hugo et pour ceux qui me connaissent pas, je suis expert en stratégie d'email marketing pour les marques de e-commerce qui utilisent Klaviyo. Je fais ça en freelance maintenant depuis un petit peu plus d'un an et demi. Et j'ai accompagné une vingtaine de marques en faisant des audits, du coaching, de la formation, de la mise en place et du setup de flow et d'automation sur des comptes Klaviyo dans l'objectif d'aider les marques à dépasser les 20% d'attribution en revenus avec l'email marketing sur Klaviyo et d'atteindre idéalement plus de 30%, 40% quand on arrive à mettre en place des stratégies assez béton. Donc, je suis vraiment dans une logique de transmission et d'aider les équipes marketing à monter en compétence sur l'outil et à bien prendre en main les stratégies email marketing. Donc, je suis pas sur un modèle agence où je fais pas de la gestion de campagne. Ça, je fais vraiment de l'aide à booster les stratégies d'email marketing des marques de e-commerce. Et du coup, je suis arrivé dans l'email. J'en ai toujours fait un petit peu dans mes jobs dans le passé. J'ai travaillé pendant 8 ans en marketing et en business development pour des marques de parfums. Je travaillais pour LVMH et après, je travaillais dans le business development pour les startups françaises aux États-Unis. J'ai toujours fait de l'email, du démarchage commercial et j'ai toujours été passionné par les stratégies un peu de hack pour réussir à convertir plus de personnes grâce à l'email. Et quand j'ai découvert Klaviyo dans une de mes premières missions en freelance avec l'un de mes clients, j'ai été complètement passionné par l'outil parce que ça permettait de faire au niveau autant de l'analyse que de la créativité qu'on peut avoir avec les différentes automations et campagnes qu'on peut mettre en place. Et du coup, ça a été vite une évidence pour moi de développer tous mes services avec cet outil et dans l'email marketing. Donc, maintenant, ça fait un an et demi que je passe mes journées à faire ça et je m'en lasse pas. C'est hyper complet et hyper stimulant. Voilà pour la petite présentation rapide. Merci pour la présentation, Hugo. Vous l'aurez compris, si vous n'êtes pas encore sur Klaviyo, Hugo va sûrement vous convaincre de switcher. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Lisa, je suis Head of Customer Success chez Wisepop. C'est un outil qui permet de faire de l'on-site marketing. J'ai un background plutôt marketing. J'adore ce que je fais justement pour proposer à nos clients des stratégies pour optimiser leurs campagnes, pour atteindre leurs objectifs. Donc, ce n'est pas le sujet principal du jour. On va principalement se focus sur l'email marketing, mais à la fin, si on a un peu de temps, je vous montrerai pour ceux qui utilisent justement déjà ce type d'outils pour créer des pop-ups, des campagnes de ce type sur votre site. Ça vous donnera aussi des idées sur comment prolonger en fait l'expérience de l'email jusqu'à ce qui se passe sur votre site quand le visiteur débarque. Donc, le thème du jour, c'est comment reconquérir vos clients inactifs. Mais avant de commencer, on aimerait bien en savoir aussi un peu plus sur vous, sur votre marque, qu'est-ce qui vous amène ici, est-ce que vous avez des challenges particuliers en ce qui concerne la rétention? Le plus on en sait, le plus on pourra rebondir sur vos problématiques. On a une partie un peu théorique, mais le but, et c'est pour ça qu'on a voulu que ce soit un format plutôt atelier, c'est vraiment de pouvoir répondre justement à toutes vos questions, vous donner du conseil,
Donc voilà, toute information est bonne à prendre et voilà, comme ça, ce sera le plus pertinent pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser le chat pour ça. Hugo, superstar. Ouais, bah, tu vois, tu as déjà des fans. Il y a le fan club. Bon, bah, vous pouvez continuer à vous... ou commencer à vous présenter si le cœur vous en dit. Et en attendant, on va commencer la présentation. Nous, déjà, on a choisi ce thème parce que, en fait, tous les deux, on travaille avec des outils marketing. Moi, plus sur le côté on-site marketing et Hugo, comme il l'a dit, sur la partie email marketing. Donc, on travaille avec énormément de clients. Et c'est vrai que moi, très peu souvent, en tout cas pour la partie pop-up et on-site marketing, je vois très peu de campagnes qui visent à améliorer la rétention. C'est souvent des campagnes pour faire de la collecte d'emails, de l'embasement, faire des campagnes sur les nouveaux visiteurs, etc. Donc, plus dans une logique d'acquisition. Et ça s'arrête là très souvent. Et du coup, moi, chez WisePop, j'essaye de faire au maximum mon possible pour proposer justement des stratégies qui adressent toutes les étapes du parcours client. Et donc voilà, on en a parlé, on s'est dit que ce serait cool de faire un truc ensemble et la rétention s'est imposée comme un sujet qu'on avait vraiment envie d'adresser aujourd'hui. En sachant que bon, on va pas vous balancer les chiffres parce que vous les connaissez sûrement déjà, mais on sait d'après les études qu'il est plus rentable de faire revenir vos clients existants que d'en acquérir constamment de nouveaux. Et pourtant, comme on le constate, il y a très peu d'efforts qui est mis là-dessus. Donc voilà, je passe le micro maintenant à Hugo pour la partie email marketing. Super, merci Isa. Ben, merci pour cette petite intro. Et c'est vrai que depuis que je suis sur l'email marketing pour l'e-commerce à fond, j'ai pas mal de marques qui me contactent pour des missions justement spécifiques rétention. Et c'est ce qu'on s'était dit que c'était un sujet vraiment qu'intéressait beaucoup les marques de e-commerce. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, moi, une question qui m'intéressait de savoir, c'était connaître un peu aujourd'hui quel type d'attribution vous avez, vous, sur votre boutique en ligne, enfin, avec votre email marketing par rapport à votre boutique en ligne, si ça représente moins de 10%, entre 10 et 20%, entre 20 et 30% ou supérieur à 30%. Si vous pouvez mettre ça dans le sondage, ça, c'est intéressant pour nous, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de chiffres autour d'email marketing qui disent qu'il faut faire au moins 30% de ses revenus en ligne avec l'email marketing. Et bon, après, c'est de l'attribution. Donc, comme moi, vous savez bien que c'est un modèle qui n'est pas totalement parfait, mais ça permet déjà de bien se positionner et de comprendre en fait où on en est par rapport à sa stratégie d'email. Et généralement, moi, ce que je considère, c'est quand on est en dessous de 20%, on sous-utilise l'email marketing par rapport à l'activité que ça pourrait avoir sur la boutique en ligne. Quand on est entre 20 et 30%, c'est une bonne utilisation. Et au-delà de 30%, c'est qu'on a mis en place des stratégies assez poussées, tant au niveau des flows qu'au niveau des campagnes. Et justement, toutes les stratégies de win-back font partie de ces stratégies un peu plus poussées qui permettent de contribuer notamment à dépasser les 30% d'attribution avec l'email marketing. Donc, on va rentrer maintenant, sans plus attendre, dans le vif du sujet. Alors, je ne sais pas si tu vois, Hugo, les résultats du sondage, ouais. Mais il y a 50% qui indique que la part correspond à moins de 10%. On a 25% qui se situe entre 20 et 30%. 11% entre… Alors, ça continue de voter, donc ça change, mais je ne sais pas si tu es en mesure de voir non, les… Non, je ne vois pas. Les résultats, si tu switches sur l'onglet sondage, normalement, tu vas pouvoir… tu devrais pouvoir voir les résultats. Ah, ok. Il fallait que je soumette mon vote. Ok, c'est bon, je vois. Ok, donc on a une majorité de personnes qui sont entre 20 et 30%. Donc, ça c'est top. Mais bon, il y a clairement des choses qui peuvent être faites en plus pour passer le cap des 30%, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on veut cibler quand on met en place des bonnes stratégies d'email marketing.
Moins de 10%, bon, appelez-moi. Il y a clairement des choses à faire. Normalement, les 20% sont assez pas faciles à atteindre, mais en mettant en place le B.A.B.A. et en ayant une bonne activité de campagne, on doit pouvoir atteindre ces 20%. Donc, ça vous donne aussi un ordre d'idée de où vous vous positionnez aujourd'hui et ce que vous allez pouvoir potentiellement faire pour pouvoir arriver à ces 20% d'attribution. Minimum avec l'email marketing, c'est vraiment ce que je recommande à tout le monde d'avoir au minimum. On passe à la slide suivante, Lisa, ça te va? Yes. Yes. Allez. Alors, du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est une stratégie de win-back? Alors, stratégie de win-back, c'est très spécifique parce que c'est une stratégie qui s'adresse aux clients qui n'ont pas interagi avec votre marque depuis suffisamment de temps qu'on peut les considérer comme perdus. Alors, du coup, c'est une stratégie qui s'adresse vraiment uniquement à des personnes qui ont déjà acheté chez vous, contrairement à d'autres stratégies qui peuvent être des stratégies de réactivation, par exemple, de personnes qui n'ouvrent pas ou cliquent vos emails depuis longtemps. Là, on est vraiment sur un déclenchement de la stratégie de win-back à partir du critère du fait qu'une personne n'ait pas acheté depuis, par exemple, 5 mois, 6 mois, 1 an. Ça, on va voir ensuite, c'est des critères de déclenchement qui dépendent selon chaque marque. Mais on est vraiment sur une stratégie ici qui s'adresse à de la réactivation de clients et pas à de la réactivation de prospects, par exemple. Donc, ça peut permettre de faire revenir, par exemple, quelqu'un qui a acheté une seule fois sur votre site ou de faire revenir des clients fidèles qui n'achètent plus depuis longtemps. Ou si vous avez en place des stratégies d'abonnement, réactiver l'abonnement de personnes qui se sont désabonnées de votre formule. Ensuite, la mécanique d'une stratégie win-back et le scénario idéal qu'on voudrait tout savoir avec ce type de stratégie, c'est l'envoi d'un email pour réactiver votre client. Ensuite, votre client, grâce à cet email, revient sur votre site. Vous parvenez à le convaincre de réacheter. Et ensuite, une fois que ça s'est fait, tout le monde est content, vous, le client. Ça, c'est ce qui se passe dans le meilleur des mondes et avec le meilleur des scénarios. Bon, on va voir que la réalité est un petit peu plus complexe, mais justement, le but de la stratégie de win-back, c'est vraiment de réussir à emmener le client dans ce funnel et de le reconvertir. Donc, pour mettre en place une stratégie de win-back, pour moi, il y a vraiment 4 grandes étapes qui sont importantes à respecter pour faire les choses bien et dans l'ordre. La première étape, ça va être de venir déterminer les critères de déclenchement de votre email. Et ça, c'est des critères de déclenchement qui vont vraiment beaucoup varier d'une marque à l'autre. Moi, généralement, si tu peux passer au slide suivant, Lisa, s'il te plaît. Oui, pardon. Désolé. Merci. Ces critères de déclenchement, en fait, on les détermine à partir du temps moyen qu'il y a entre 2 commandes. Et moi, généralement, ce que je fais dans ces cas-là, je vais regarder 80% de la base de données qui réachète, dans quel laps de temps elle réachète. Et généralement, en fait, c'est assez concentré sur, par exemple, 5 mois, 6 mois, 8 mois. Ça va dépendre un peu du temps moyen entre 2 commandes qu'il peut y avoir pour votre marque. Et les 20% restants, généralement, de ces réacheteurs, ils s'étalent sur un temps très, très long. Donc, généralement, moi, comme critère de déclenchement, je vais les regarder. 80% des réacheteurs, dans quel laps de temps ils réachètent. Et je vais considérer ensuite qu'à partir du temps au-delà de ces réachats, on est en fait sur une probabilité très faible de réachat des personnes. Et c'est là que c'est intéressant de mettre en place le win-back, parce que du coup, on va vraiment envoyer ces emails à des personnes qui ont une probabilité faible de réacheter. Et l'email a un pouvoir de conversion qui peut être assez fort dans ces cas-là. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de choisir votre stratégie de win-back. Est-ce que ça va être en mettant en avant vos nouveautés, en mettant en avant des commentaires clients pour mettre en avant de la preuve sociale, en poussant de la promo? Alors, vous allez voir que vous pouvez mixer plusieurs stratégies dans les emails de win-back. Il n'y a pas qu'une seule manière de faire. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il n'y a que la promo pour réactiver les clients, mais ça dépend vraiment de votre marque, de la typologie, de votre positionnement, de votre politique marketing aussi.
Et c'est vraiment important de refléter votre stratégie dans ce que vous allez vouloir mettre en place au niveau du win-back. Ça, je vais vous montrer un petit peu après des exemples différents de marques, des différentes stratégies de win-back qui peuvent être mises en place selon différents positionnements. Et là, on a un bel exemple d'un email qu'on avait développé avec la marque Kaya, qui est une marque de CBD, un email dans lequel on pousse un sympathique code promo pour inviter les clients qu'on n'a pas acheté depuis longtemps à réacheter. Ensuite, la troisième étape, qui est une étape un petit peu plus laborieuse, ça va être de construire et paramétrer votre flow sur Klaviyo. Donc, le construire, ça va être tout ce qui va être développer son design et son copywriting. Ça, vous le faites Canva, Photoshop et puis ensuite mixer avec Klaviyo. Et ensuite, la partie plus technique sous Klaviyo, mettre en place sur votre série les bons filtres, le bon temps de déclenchement entre les emails et aussi la bonne segmentation. Si vous voulez, par exemple, segmenter entre des premiers acheteurs et des seconds acheteurs, ou si vous êtes une marque de vêtements qui vend à des hommes et des femmes, entre hommes et femmes. Si vous êtes une marque de literie, par exemple, acheteur oreiller, acheteur literie. Ça, la segmentation, ça va vraiment dépendre au cas par cas de votre marque et de la typologie de vos acheteurs. Mais c'est vraiment trois choses importantes à prendre en compte dans le paramétrage de votre flow. Et bien évidemment, ne jamais oublier de mettre les filtres. Là, par exemple, dans l'exemple de ce flow-là, on a un filtre qui est appliqué tout le long du flow qui dit que si une personne a placé une commande une fois depuis le début de ce flow, elle sort. Comme ça, on s'assure vraiment qu'on s'adresse qu'à des personnes qui n'ont jamais acheté. Et enfin, une fois que votre flow il est mis en place et activé, la quatrième étape hyper importante aussi, c'est l'analyse de vos résultats et l'optimisation de vos contenus grâce à l'A/B testing. Parce qu'on peut mettre en place les meilleures stratégies de win-back. En fait, c'est vraiment en A/B testant et en surveillant les résultats de votre série sur le long terme que vous allez pouvoir atteindre les résultats qui correspondent vraiment le mieux à votre cible et qui permettent d'optimiser votre stratégie par rapport à ce que vos clients attendent. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose que je rabâche tout le temps, mais A/B tester, c'est la meilleure manière de connaître votre cible et d'optimiser vos résultats. Donc, ne lésinez pas sur cette étape, elle est hyper importante. Alors, pour être un petit peu plus concret, maintenant, on a choisi de vous montrer un exemple de flow que j'ai mis en place moi, avec un de mes clients. Alors ça, c'est un flow, par exemple, qui est segmenté entre les premiers acheteurs, donc acheteurs uniques à gauche et à droite, c'est des personnes qui ont acheté plusieurs fois chez la marque. Là, on avait segmenté entre ces deux segments parce qu'on avait remarqué qu'il y avait un temps de réachat plus court chez les personnes qui avaient acheté au moins deux fois et un temps de réachat plus long chez les personnes qui avaient acheté une seule fois. Donc là, on a paramétré les timings de déclenchement de la série différemment. Et ensuite, on a déroulé la série en 4 emails qui se déroulent sur 10 jours. Et en fait, ces 4 emails, on a le premier email qui est un email promotionnel. Le lendemain, on envoie, un jour plus tard, on envoie une relance sur cet email promotionnel. 8 jours plus tard, on envoie une promo encore plus forte. Un jour après, on fait une relance sur cette promo. Là, c'est un scénario très agressif niveau promo qui reflète aussi bien en fait l'image de marque et le positionnement de la marque avec laquelle on a mis ça en place parce que c'est une marque qui a une pression promotionnelle très très forte et du coup c'est un flow de win-back qui a des très bons résultats autant en taux d'ouverture qu'en taux de conversion parce qu'il reflète aussi bien l'image de marque que la stratégie et il s'étale bien et sur les 10 jours et on n'avait pas forcément de délivrabilité qui était trop affectée malgré cette pression forte au niveau des différents envois qu'on avait pu faire avec cette automation. Donc ça vous donne ici un bon exemple de scénario que vous pouvez mettre en place pour votre marque qui fonctionne bien. Et une fois que c'est mis en place, vous n'avez plus rien à faire si ce n'est le surveiller tous les mois et l'optimiser avec de l'A/B test. Alors là, un exemple d'email qu'on avait mis en place dans ce flow-là. Donc là, vous pouvez voir un peu le template d'email, comment il se divise
en première partie d'email, on a la mise en avant de l'offre promotionnelle avec un petit texte, la mise en avant du code promo et ensuite un CTA qui invite à venir activer le code promo. Donc ça, c'est vraiment l'en-tête de l'email et ce qu'on veut que la personne voit en premier quand elle va ouvrir notre message et idéalement qu'elle vienne directement cliquer sur la réactivation de ce code promo. Ensuite, on a rajouté d'autres blocs pour aussi pouvoir revenir à… Si tu peux… Désolé. Je reviens non, à… Non, si tu peux juste rester… Ouais, ouais. Revenir sur, sur l'email. Ensuite, on a rajouté un bloc produit pour mettre en avant en fait, le best-seller de la marque, qui est vraiment le produit qui convertit le mieux chez Kaya. Et ensuite, on est venu mettre en avant les best-sellers pour aussi recréer de la désirabilité et inviter les personnes à venir sur le site pour refaire des achats. Et enfin, on a terminé ce template avec la mise en avant du diagnostic mis en place par la marque qui permet en fait de venir faire un diagnostic un peu de sa situation actuelle et de se faire recommander des produits suite à ce diagnostic. Donc, on a essayé de mettre en place plusieurs stratégies de réactivation dans cet email et je pense que la variété aussi de ce qu'on a mis en place, c'est ce qui permet aussi d'avoir un bon taux de conversion avec, avec cet email. Donc, ça vous donne un exemple un peu de structure de flow et de template. Donc, là, nous, du coup, ce qui nous intéressait de savoir avec Lisa, c'était de, est-ce que vous, de votre côté, vous avez déjà testé des stratégies de win-back, que ce soit avec des flows ou avec, avec des campagnes et qu'est-ce que ça a donné? Donc, si vous pouvez nous dire peut-être dans le chat, partager un peu vos expériences parce qu'il y a des personnes qui mettent ça sous forme d'automation, il y en a d'autres qui font ça sous forme de campagne tous les mois, une campagne de win-back à un segment spécifique de sa base de données. Et ce qui peut être pas mal quand on fait ça, c'est de choisir par exemple l'email de win-back qui a eu les meilleurs résultats au niveau conversion et ensuite de le mettre en forme sous forme d'automatisation. Donc, ça peut être une bonne manière de tester les stratégies de win-back dans un premier temps sous forme de campagne et dans un second temps, vous les mettez en place en automation. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans le chat. Je ne sais pas si on a quelques réponses déjà, Lisa, ou pas. Alors, je vois qu'on a quelques personnes qui sont en train de taper. Donc, ça va venir. Ah. le temps de taper, mais oui, on devrait avoir quelques retours. Alors, Sophie qui nous dit, oui, j'ai déjà testé relance de contact inactif par email, mais du coup, un très faible taux d'ouverture. Alors, justement, Hugo, il va nous montrer justement quelques chiffres. Comme ça, tu pourras voir où tu te situes par rapport à ça. Okay. Et du coup, les messageries bloquent après. Toujours Sophie qui nous dit que voilà, très faible taux d'ouverture et les messageries qui bloquent après. Ok. Ouais, alors ça, c'est vrai que c'est un point auquel il faut faire très attention quand vous mettez en place des stratégies de win-back, c'est de surveiller la délivrabilité de vos emails, de vous assurer qu'il y a des bons taux d'ouverture, pas trop de mise en spam, pas trop de désinscriptions. Et souvent, quand il y a des taux d'ouverture, par exemple, qui sont très faibles, des taux de désinscription qui sont très élevés, des taux de mise en spam très élevés, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de filtres qui sont mis sur la cible. Par exemple, ça veut dire dans ce cas-là que la stratégie de win-back, elle peut être adressée autant à des acheteurs qu'à des prospects qui n'ont pas ouvert les emails et étaient actifs depuis longtemps. Là, dans un cadre de stratégie de win-back, on s'adresse vraiment qu'à des acheteurs et avec un timing qui est quand même pas non plus trop éloigné de la phase d'achat qui est bien timée, on arrive quand même à avoir des bons taux de conversion qui permettent de mettre en place une stratégie win-back sans non plus trop affecter la délivrabilité. Donc Sophie, si vous voulez me contacter pour en discuter, on peut en parler. Mais je suis sûr qu'il y a des choses à faire de manière à ce que justement il y a des taux d'ouverture et des taux d'engagement qui soit positif pour votre marque, qui ne vienne pas vous mettre en spam, justement. Alors, il y a Pablo aussi qui nous dit, pour les e-commerce qui marchent avec des systèmes d'abonnement, ça peut être intéressant un envoi d'email au moment où la personne arrive à la fin de son produit pour lui proposer un abonnement, justement. Peut-être pas facile pour le calcul du timing, en revanche.
Ouais, alors ça, ben, Pablo, c'est super, super remarque. C'est vrai que ça, c'est des stratégies qu'on met en place plus facilement quand on est dans une stratégie de ce qu'on appelle de replenishment, renouvellement produit. Donc là, ça se situe avant le win-back. Par exemple, je prends l'exemple d'une marque qui a une crème qui se consomme en 2 mois à peu près. Tu vas vouloir envoyer un email au bout de 2 mois à ton contact pour lui dire, ben, voilà. Vous devez certainement arriver au bout de votre produit. N'hésitez pas à repasser commande. Et au fait, on a aussi une formule abonnement si vous êtes intéressé. Donc, promouvoir la formule abonnement à ce moment-là. Peut-être plus, je ferai peut-être ça plus à ce moment-là que pour la stratégie du winback. Mais c'est une remarque intéressante. Et Antoine, un faible taux de délivrabilité. Alors oui, désolé Antoine, j'aurais dû dire une mauvaise délivrabilité parce que la délivrabilité, du coup, c'est ce qui englobe les taux d'ouverture, taux de désinscription, taux de rebond et taux de mise en spam. Donc en fait, t'as raison, c'est tout ce qui concerne des taux élevés de mise en spam, de désinscription et de rebond. Merci pour la question. Bon, ben, on a Marie, plein de plusieurs campagnes de retours, win-back, mais pas avec clavier. Ouais, il y a plein de retours. Alors moi, faut pas me lancer là-dessus parce que Non, mais c'est intéressant, on est là pour j'adore ça. ça. Ouais, carrément. Plusieurs campagnes de win-back, mais pas avec clavier. Retravail du cycle post-achat pour réachat direct en retrait du churn avec score dynamique de churn inactif, replenishment sur produit fini, one shot sur non-acheteur, 3 à 6 derniers mois sur cible spécifique, test avec. Et sans offre. Alors ça, je suis pas sûr de comprendre. Ah oui, test. Ok, sur non acheteur. Donc ça, c'est sur des prospects. Ok, intéressant. Bon, alors là, c'est vrai que on est vraiment focus winback aujourd'hui. Donc là, c'est ce que je vous disais vraiment dans le premier slide. On est focus sur des clients qui n'ont pas réacheté depuis un temps où on considère qu'il y a une très forte probabilité qu'ils soient comme perdus. Mais c'est vrai que il y a plein d'autres séries géniales à mettre en place, notamment de la réactivation de prospects, qu'on appelle la série de Sunset, des stratégies de replenishment, ça qu'on peut traiter avec Lisa peut-être dans un autre webinaire dans le futur, mais là c'est vrai qu'on se concentre essentiellement sur les clients acheteurs. Donc, mais merci pour votre participation, c'est chouette en tout cas d'avoir des questions comme ça et d'interagir avec vous. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires aussi, parce que je vais peut-être un petit peu vite. S'il y a des points sur lesquels vous voulez que je m'arrête, vous n'hésitez pas, je jette un œil sur le chat qui est sur la droite de mon écran. Donc justement, pour vous donner un peu quelques chiffres par rapport au taux d'engagement que vous pouvez attendre par rapport à des emails de win-back, en moyenne, on est sur des taux d'ouverture qui sont systématiquement supérieurs à 25%. Et c'est ce que je disais juste avant à Sophie, si vous êtes sur des taux d'ouverture qui sont très faibles et qui risquent de vous mettre en spam, c'est pas normal et c'est certainement en fait qu'il y a très peu de filtres qui sont appliqués à votre série. Et dans ce cas-là, faut réduire un peu la base à laquelle vous allez envoyer ces emails en ajoutant des critères de segmentation de manière à ce que ce soit quand même envoyé à des gens qui sont engagés avec vos emails et qui ne viennent pas justement handicaper votre délivrabilité par rapport au serveur mail. Au niveau des taux de clic, on est sur des taux de clic qui sont entre 1 et 2%. Donc, bon, ce n'est pas des taux de clic de dingue comme ce qu'on peut avoir dans des séries de bienvenue ou des séries de panier abandonné ou encore des séries post-achat. Mais on est quand même sur des taux d'engagement qui sont relativement honnêtes et bons pour votre marque. Donc, ça, pareil, si vous avez des taux de clic inférieurs à 1%, c'est bien de mener des A/B tests pour voir comment vous pouvez le resituer entre 1 et 2%. Et idéalement supérieur à 2%, mais ça vous donne une idée en tout cas de où vous pouvez vous situer. Et alors ensuite, le taux de commande placée, ça, on est généralement entre 0,1 à 2%, donc c'est une fourchette qui est hyper large, je vous l'accorde, mais ça en fait, ça dépend aussi des typologies de marques. Si vous êtes sur une marque, par exemple, qui a des taux de réachat assez élevés, vous allez être plus proche des 2%. Si vous êtes sur une marque sur laquelle les gens ne réachètent pas forcément énormément, on va être plutôt en dessous des 1%. Mais ça vous donne une idée, en tout cas, de la tranche dans laquelle vous pouvez vous situer en termes de taux de conversion pour les commandes placées.
Alors, ensuite, les bonnes pratiques à garder en tête quand vous allez mettre en place une stratégie de win-back, la première chose, c'est tout ce qui est autour de la promo. Ne pas systématiquement envoyer de la promo au premier mail. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que win-back égale promo. C'est ce que je vous disais un peu plus tôt. Il y a plein de manières de faire revenir des clients sur votre site et de leur donner envie de réacheter. Certaines marques, ça va être par la promo, mais il y a plein de stratégies. Mettre en avant vos nouveautés, mettre en avant un article de blog hyper pertinent par rapport à votre cible. Faites vraiment quelque chose qui vous ressemble. Moi, c'est mon premier conseil. Vous pouvez faire de la promo en deuxième, troisième email ou en premier, hein, mais pensez pas que c'est systématiquement la solution. Ensuite, hop, Alors Lisa, si tu juste, peux passer au petit slide. ouais, Ouais. juste pour Ah, revenir sur les pardon. chiffres, parce que je vois que Julie demande si ces chiffres sont généraux ou spécifiquement pour les personnes qui n'ont pas commandé depuis longtemps. Donc, pour préciser, c'est comme là, on s'adresse uniquement au cas du win-back, c'est effectivement sur le segment des personnes qui n'ont pas acheté depuis un certain temps et qui sont considérées comme inactifs. Ouais, tout à fait. Voilà, j'espère Et que ça des répond à la personnes question. qui ont déjà acheté au moins une fois. Voilà. Alors, Mettre en Anaïs avant. aussi qui nous dit mettre en avant les nouveautés, c'est difficile pour un flow. Non, il faut le mettre à jour régulièrement dans ce cas. Ouais, bonne remarque, Anaïs. En effet, ouais, c'est vrai que le pouvoir de l'automatisation peut s'arrêter un petit peu là. C'est des flows, du coup, si tu mets en avant tes nouveautés, tu vas vouloir les réactualiser tous les mois, tous les 2 mois. Je sais que j'ai des clients, par exemple, dans la mode, qui remettent en avant leur flow de win-back par rapport à leur nouvelle collection. Donc, ensuite, en fonction de ta saisonnalité et puis du rythme de ta marque, c'est bien de se mettre un petit reminder dans le calendrier de manière à pouvoir mettre à jour le contenu de ton flow. Mais oui, en effet, à mettre à jour. Ensuite, au niveau alors, mettre en place des A/B tests sur vos emails, deuxième bonne pratique hyper importante dont je vous parlais déjà avant, mais c'est vraiment ce qui va vous permettre d'affiner les temps de déclenchement, de faire des objets plus performants, de mettre aussi des CTA qui vont permettre de bien convertir votre cible. Donc là, un point hyper important quand vous mettez en place des A/B tests, vous testez un seul élément à la fois. Parce que le principe même de l'A/B test, c'est de pouvoir comparer deux modèles identiques avec une toute petite variation. Et en fait, si vous changez trois choses, vous n'allez pas pouvoir savoir à qui attribuer en fait la meilleure performance d'un email par rapport à l'autre. Donc, c'est vraiment hyper important si vous testez un objet d'email, testez uniquement l'objet. Si vous testez un CTA, testez uniquement le CTA. Donc, ça, hyper important les A/B tests à mettre en place. Et ça, c'est vrai. Pour tout en email marketing, pas seulement pour les win-back. Ensuite, segmenter vos contacts dès que c'est possible. La segmentation, non seulement ça vous garantit une meilleure délivrabilité parce que vous avez un contenu qui est plus personnalisé par rapport à votre cible, et ça vous garantit aussi une meilleure conversion parce que plus vous allez segmenter et offrir un contenu personnalisé à vos contacts, plus ils vont être à même de se sentir concernés parce que vous leur envoyez et retourner sur leur site parce que votre email aura suscité leur intérêt. Typiquement, l'exemple un peu bateau d'une marque de vêtements, si vous avez une cible homme et une cible femme, envoyez un mail de réactivation à la cible homme avec que de la mise en avant de vêtements pour hommes. Si vous envoyez des vêtements pour hommes et femmes, ça va quand même avoir de l'intérêt, mais ça va être bien moins impactant qu'un email personnalisé. Donc, bon, c'est l'exemple le plus bête, mais ça peut être un petit peu plus fin selon votre marque. Et là, dans l'exemple que Ensuite, tu as mis à droite, Hugo, tu segmentes sur quoi? Sur le nombre de commandes passées, c'est ça? ouais, ici à droite, par exemple, on a segmenté acheteurs uniques, personnes qui ont acheté une seule fois, et des personnes qui ont acheté 2 fois ou plus. Donc là, c'est vrai que c'est la reprise de l'exemple qu'on a vu un petit peu plus tôt où les acheteurs uniques avaient un temps de réachat qui était plus long, pardon, que les acheteurs répétés. Donc on avait segmenté par rapport à ça.
Et ensuite, utilisez la personnalisation pour vos emails. Souvent, l'avantage des séries de winback, c'est que vous vous adressez qu'à des clients. Du coup, c'est des personnes dont vous avez le prénom. Et n'hésitez pas à être personnel, du coup, dans les emails que vous allez leur envoyer, en utilisant leur prénom dans les objets, dans le début de vos emails et dans vos textes. Ça, Klaviyo permet très bien d'aller chercher ces différents éléments dans votre base de données et ça fait vraiment la différence. Donc ça, je vous recommande vivement. Et hop, ensuite, la clarté du message, hyper important. Là, je vous ai mis à droite l'exemple de deux emails qui sont très compacts, qui visuellement sont un peu bruyants. C'est difficile d'aller trouver l'information directement. Ne faites pas ça. Faites des emails simples, clairs, faciles à lire. Pas forcément avec trop de texte, des beaux visuels, espacés, aérés. Je vois encore beaucoup trop de marques qui font des choses très très condensées et quand on les lit, en fait, c'est assez décourageant et fatigant. Donc, less is more. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire de copywriting et mettre que des images. Ça, c'est un autre débat, mais en tout cas, ayez un message clair, agréable à lire et qui communique très rapidement sur ce que vous voulez indiquer à vos clients. Et enfin, le dernier point, c'est d'avoir des emails qui sont adaptés à tous les supports. Ça, je pense qu'on vous le dit dans tous les articles, tous les webinaires ou autres sur l'email marketing, mais ayez bien des emails qui soient adaptés autant au mobile qu'aux tablettes, qu'au desktop. Et vérifiez bien avant de mettre vos emails live que les rendus sont parfaits autant sur mobile que sur desktop parce que vous le savez aussi bien que moi, tout le monde ouvre les emails autant sur l'un que sur l'autre et voire parfois beaucoup plus sur mobile que sur desktop pour certaines marques. Alors maintenant, pour finir cette partie sur les emails de Winback en beauté, je vous ai pris trois petits exemples de mails que je trouve hyper sympas à regarder, qui ont des mécaniques différentes et qui font très bien le boulot. Ça, c'est un premier email de la marque Glossier, dans lequel là, c'est un cadeau contre achat pour les personnes qui sont pas venues depuis longtemps. L'email, moi, ce que j'adore, c'est qu'il est hyper simple. Il y a une phrase, une image, ensuite le détail de la mécanique qui là est dépensé 440 couronnes suédoises pour avoir ce cadeau contre achat, donc ça équivaut à 40 euros à peu près, et ensuite un CTA. Ce mail est hyper simple, il est efficace, il reflète bien aussi de l'esprit de la marque avec une image design, ça plonge bien dans leur univers et ils ont ce côté playful glossier qui est bien retranscrit dans cet email. Donc je trouve qu'il fait très bien le boulot, il reflète bien leur positionnement et leur image. Le deuxième exemple d'email, c'est un exemple d'email de la marque Warby Parker, qui est une marque de lunettes, qui est une marque un peu assez joueuse, sympa. C'est une marque américaine, décontracte, qui est assez orientée sur le contact avec ses clients. Et là, ils ont fait un email de Winback, eux, où ils mettent juste en avant leurs avis clients. Donc là, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a vraiment une utilisation puissante de la preuve sociale. Et ils mettent en avant des tweets super sympas sur leur marque, avec des petits graphismes, la petite étoile, les thank you, aptastic. Enfin, je trouve que ça rebaigne dans l'image de marque. Ça met en avant des commentaires super sympas. Et quand on n'a pas acheté depuis longtemps, ça donne envie de retourner sur le site pour voir les nouveautés, voir un peu ce qui fait que tous ces gens sont dingues de la marque, quoi. Donc, je le trouve vraiment, vraiment chouette. Et le dernier email, c'est un email qu'on a mis en place dans une mission récemment là, avec la marque Dermalogica. C'est un email qui met en place un outil qu'ils ont développé qui s'appelle le face mapping, qui est un outil de diagnostic de peau qui permet en fait de diagnostiquer sa carnation et ensuite de faire des recommandations de produits personnalisés par rapport aux besoins du moment. Donc là, on fait revenir les clients qui ne sont pas venus depuis longtemps par ce diagnostic de peau. Et là, pareil, c'est un email qui reflète très bien l'image de marque à travers leur expertise, une réactivation assez soft pour faire revenir les clients et regagner leur intérêt par rapport aux produits et aux besoins qu'ils peuvent adresser chez le client.
Donc voilà pour ma partie. J'espère que j'ai pas été trop long. J'ai essayé d'aller assez vite et que ça vous a intéressé. Donc lâchez-vous niveau questions si vous en avez dans le chat. Je serais ravi d'échanger avec vous et je laisse maintenant la place à Lisa pour tout ce qui est stratégie d'on-site marketing. Merci Hugo. Juste petite question pour toi ou pour vous aussi. Si tu devais choisir un des emails, enfin, tu as une préférence pour lequel en termes de mécanique, de style, etc. Parce que moi, par exemple, l'email review comme ça, je ne suis pas fan. Je trouve qu'il y Ouais. a trop de choses et je sais pas. C'est peut-être une question de sensibilité, mais par contre, c'est vrai que cet email très minimaliste avec une offre, la mise en avant du produit, enfin, clairement, c'est mon préféré. Celui de Dermalogica aussi, je le trouve assez chouette avec l'idée du quiz. Mais je serais curieuse de savoir si vous aussi, vous avez une préférence en termes de look and feel et de mécanique utilisée dans ces mails. Ah ben moi, bien sûr, je préfère celui que j'ai fait, hein, celui de Dermalogica. Je vais pas Ah oui, j'étais peut-être biaisée, mais je pensais que tu les avais tous faits. Non, je les ai pas tous faits. Mais après, bon, c'est vrai qu'en email, après, moi, j'essaie de mettre un peu mes préférences de côté et de laisser parler, tu vois, Ouais, les data. la marque. Je suis un peu un amoureux de la data et je pense que c'est vraiment important de faire quelque chose qui ressemble aux marques. Et moi, c'est. Venant de l'univers du marketing où j'ai bossé pendant longtemps, c'est vraiment un point que je me force à défendre. C'est vraiment refléter l'image de marque dans les emails et je trouve que c'est tellement un capital important pour une marque, les DNVB, les marques de e-commerce, que c'est très très important de s'assurer de les refléter dans les emails. Donc ça, c'est du cas par cas. Eh ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi parce que Sophie et Alexandra préfèrent le dernier Ah email, ben donc voilà. celui que tu as conçu. Donc voilà. Et c'était Merci une très bonne Sophie et remarque de faire Alexandra. plutôt en fonction de votre audience et des datas plutôt que les goûts personnels, quoi. Ouais. Alors, on va passer à la partie les leviers on-site, vu qu'il nous reste un petit peu de temps, mais n'hésitez pas si vous avez vraiment des questions sur la partie email, on y reviendra. Moi, j'écourterai ma partie si besoin. Mais en fait, j'étais curieuse de savoir si déjà, il y en a certains d'entre vous qui ont déjà testé des Alors, je sais. stratégies. Ah, oui. Ouais, je t'ai Hugo? perdu 2 secondes. Je ne sais pas si c'est moi ou toi. Désolé. Ah, et là, c'est bon? Là, c'est bon. Ok, super. Non, je disais, je serais curieuse de savoir si parmi vous, il y en a déjà qui ont testé des stratégies de win-back, des campagnes de win-back sur les leviers on-site, donc sous forme de pop-up, de notifications ou voilà, d'autres campagnes que les emails. Voilà, donc je vais vous balancer le sondage. Tac, tac. Tac, voilà. Donc, n'hésitez pas à répondre, ça m'intéresse. Et je vais passer sur la suite. Alors, je regarde les réponses. OK, on a une grande majorité, 90% de personnes qui répondent non et 2-3 personnes qui ont répondu oui. Bah pareil que pour la question sur l'email marketing, n'hésitez pas à me faire des retours sur le retour d'expérience sur les campagnes justement que vous avez publiées, les résultats, si ça a été à la hauteur de vos espérances. Ça peut être intéressant de le savoir. Alors, pour les leviers on-site, en fait, le principal avantage de faire ça sous forme de pop-up ou de notification, c'est que ça vous permet de cibler 100% de votre trafic. Parce que pour envoyer votre campagne de win-back par email, ça implique qu'il faut que vous ayez l'email et l'opt-in de votre client pour lui envoyer l'email. Et alors que quand vous segmentez votre trafic directement sur le site, vous êtes en mesure du coup de cibler 100% des personnes qui viennent d'email ou pas, qu'ils aient ouvert l'email ou pas, etc. L'autre avantage aussi, c'est que ça peut vous permettre de prolonger en fait le parcours client et de créer une cohérence entre l'email qui est envoyé et l'expérience une fois que la personne arrive sur le site. Donc, comme dans le scénario idéal que Hugo a présenté, l'objectif c'est de lui envoyer un email et ensuite qu'il vienne sur le site. Et du coup, si la personne
bien sur votre site depuis cet email, vous êtes en mesure de lui proposer quelque chose de personnalisé et de prolonger justement potentiellement l'expérience. Par exemple, je pense à l'exemple de Glossier. Si la personne débarquait sur le site, comme l'offre est valable qu'à partir de d'un minimum de commandes, je crois les 440 couronnes, et ben vous pourriez afficher une pop-up lorsque la personne atteint justement 440 dans son panier pour lui dire qu'elle a débloqué du coup l'offre spéciale. Donc voilà, il y a plein de scénarios possibles. Et du coup, ça vous permet voilà, de personnaliser l'expérience on-site. Et là, on va voir justement quelques cas de figure. Donc, le premier scénario, c'est justement le client inactif vient d'une campagne de réactivation. Donc, par exemple, avec vos outils d'on-site marketing, si vous en avez un ou si vous utilisez WisePops, vous pouvez en fait cibler les personnes en fonction d'où ils viennent. Et donc, notamment, par exemple, s'ils viennent d'une campagne spécifique email ou même d'une campagne de retargeting via réseaux sociaux, vous pouvez en fait l'indiquer ici pour segmenter votre trafic en fonction de la source de référence. Et là, on va voir justement quelques exemples, donc comment ça pourrait concrètement se matérialiser en termes de campagne. Donc typiquement, si la personne donc, clique sur l'email et atterrit sur votre site, vous pourriez justement l'accueillir avec un petit mot personnalisé pour lui indiquer que vous êtes content qu'il soit de retour sur votre site. L'avantage là sous forme de pop-up, c'est que ça vous donne une visibilité maximale de votre message, de votre offre. Que l'offre est personnalisée parce que typiquement, ça n'apparaît pas pour n'importe qui. Vous segmentez vraiment votre audience en fonction des personnes justement qui sont dans le segment réactivation. Et ici, dans cet exemple-là, voilà, il n'y a pas de conditions, pas de minimum de commande, donc très peu de friction finalement à l'achat. Ça peut être pas mal. Je trouve que ça rejoint un peu l'exemple justement de l'offre de bienvenue. Souvent, on voit ça, moins 10 euros ou moins 10% offert sur votre première commande. Vous pourriez en fait réitérer ça, justement, cette expérience-là, mais plutôt pour le segment réactivation. J'essaye d'avancer. Lisa, je crois qu'il y a une petite question de Benjamin qui demandait on cible avec quelle attribution juste le clic de l'email. Point d'interrogation. tu peux justement filtrer ton trafic. Donc, comme dans ton email, tu as forcément des paramètres UTM qui y sont associés. Donc, soit de l'email, de la campagne email au global, soit du call to action spécifique. Tu es en mesure du coup de savoir quand la personne clique, souvent quand vous cliquez sur n'importe quel email que vous avez reçu là dans votre boîte de réception, si vous cliquez dessus, vous verrez que quand vous atterrissez sur le site, vous avez plein de paramètres UTM qui s'affichent après l'URL du site, et en fait c'est ça qui vous permet de différencier et de cibler les visiteurs de votre site en fonction de là où ils viennent. Donc, j'espère que ça répond à ta question, Benjamin. Mais c'est ce critère-là, et après, on verra qu'il y en a d'autres que vous pourrez mettre en place dans le deuxième scénario. Mais rien que ça, c'est hyper facile à mettre en place. Ça demande finalement très peu d'efforts parce que les paramètres UTM, normalement, ils sont générés automatiquement depuis votre email ou vous pouvez les créer en fait aussi par vous-même. Donc je passe au deuxième exemple. Là, c'est justement, j'ai mis des exemples un peu moins intrusifs qu'une pop-up parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas forcément avoir recours aux pop-up. Donc là, je vous propose une alternative, l'afficher sous forme de notification. Donc par exemple, avec WisePops, vous pouvez créer ajouter un flux de notification à votre site, donc un peu comme sur les réseaux sociaux. Vous pourriez en fait afficher une notification quand la personne, de la même manière que pour la campagne précédente, accueillir le visiteur, lui indiquer que vous êtes content, voilà, qu'il revienne et afficher le code dans la notification et en profiter, pourquoi pas, pour les rediriger vers vos nouveautés. Donc là, après, vous mettez ce que vous voulez, peut-être c'est les best-sellers, les nouveautés, etc. Finalement, c'est comme pour l'email, où est-ce que vous voulez emmener vos visiteurs, etc. Et là, en bas, alors on ne voit pas très bien à l'écran, mais c'est le format bar,
aussi pareil, que vous pouvez placer en haut de votre site ou en bas. Et ça permet voilà, de ne pas couvrir l'écran et d'afficher en fait la notification à tout moment. Donc, c'est ça aussi l'avantage, c'est que la pop-up, elle va apparaître qu'à un moment donné, mais peut-être que si la personne n'a pas copié son code, bah, elle va passer à côté de l'offre, alors que là, en fait, elle peut y revenir à tout moment de son parcours de navigation. Dis-moi, Hugo, s'il y a des questions, parce que du coup, j'arrive pas à suivre. Mais il y avait une question, mais qui était peut-être un peu moins urgente, de Alexandra, qui demande s'il y a des articles dispo pour expliquer l'utilisation des UTM. Et je vois que Antoine vient de répondre. Donc c'est bon, c'est géré. Okay. T'inquiète. Super. Super, super. Et puis après, bah, n'hésitez pas à nous contacter aussi par la suite si vous avez besoin de ressources complémentaires à ce sujet. Le troisième exemple, donc là, c'est pareil que pour ton email, la stratégie du gifting, du cadeau. Mais là, j'ai choisi en fait de donner l'exemple de ne pas afficher en fait donc elle se déclenche à l'abandon de panier. Donc là, en gros, vous voyez les conditions. J'ai choisi le trigger on exit et uniquement pour les personnes dont le panier dépasse les 50 euros. Donc ce qui vous permet en fait de faire une offre que à partir d'un certain montant. Donc là, j'ai mis un exemple aussi avec la personnalisation. Vous pouvez, pourquoi pas, mettre le prénom de votre client et lui indiquer qu'il a débloqué une offre spéciale. Et ce qui est intéressant sur cet exemple, c'est que dès qu'on clique sur le bouton, ça applique le cadeau automatiquement au panier et optionnellement, vous pourriez le rediriger vers une page spécifique ou la page de checkout. Et aussi, stratégie intéressante, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'offre limitée dans le temps pour créer un FOMO. Donc là, il y a un compte à rebours qui se déclenche automatiquement pour créer voilà, le sentiment d'urgence. La roue de la fortune ici, mais sans collecte d'email, parce que, encore une fois, pour rappel, on cible les personnes justement qui viennent d'un email de Winback. Donc, ça ne sert à rien de demander l'email. Là, le but, c'est juste de leur proposer une expérience ludique une fois qu'ils arrivent sur votre site et d'optimiser vos chances de le convertir parce qu'effectivement, s'ils gagnent quelque chose, un coupon ou quelque chose, il aura peut-être plus de chances d'aller jusqu'au bout. Donc voilà, à utiliser, c'est aussi une option que vous pouvez utiliser avec WisePops ou d'autres outils d'on-site marketing. On a une nouvelle question de Benjamin Lisa. Ok, j'adore les questions. Dis-moi. Est-ce que WisePop gère les codes promo en silo ou génère le code promo via le CMS Shopify, par exemple? Oui. Ce code promo est réutilisable sur Klaviyo dans un email de relance? Alors, c'est une très bonne question. On vient de sortir une fonctionnalité qui permet de créer des codes de promo uniques. C'est uniquement dispo sur Shopify. Mais du coup, actuellement, vous allez pouvoir, sur WisePops, générer des codes promo uniques depuis Shopify. Après, il me semble que ce n'est pas possible de transférer ce code promo sur Klaviyo. Mais je me renseignerai auprès de l'équipe technique pour avoir la confirmation et je te ferai un retour individuel là-dessus. Mais oui, en fait, soit vous utilisez des codes promo génériques, on va dire, soit vous utilisez du coup l'option code unique via notre intégration avec Shopify qui permet du coup de le faire. Voilà. Et donc, le deuxième scénario, c'est le client inactif ne vient pas d'un email. Donc, ça, c'est un peu l'avantage que je vous ai dit. C'est imaginons que, en fait, vous avez un client inactif, mais vous n'avez peut-être pas pu lui envoyer un email ou il n'a peut-être pas cliqué dessus, mais il revient tout de même sur votre site et il correspond quand même au segment de clients inactifs. Donc là, je ne sais pas si vous voyez très bien à l'écran, mais j'ai mis des conditions. Donc vous pouvez soit utiliser l'une ou l'autre ou les deux critères ici.
Donc, les visiteurs qui ne sont pas venus sur votre site, qui sont venus une fois dans les 60 derniers jours. Et là, vous pouvez aussi ajuster la période en conformité, par exemple, avec vos critères d'inactivité. Comme Hugo l'avait expliqué, ça peut être 180 jours, 150, etc. Et dans les custom properties ou e-commerce properties, donc là, c'est vraiment l'exemple comment ça marche chez Wisepop. Vous pouvez cibler les personnes en fonction du nombre de commandes qu'ils ont passées et de la date de la dernière commande ou du dernier achat, selon quel type de propriété vous avez. Et donc là, on voit que je cible les personnes qui ont acheté au moins une fois, donc plus que zéro fois, et qui n'ont pas acheté depuis 60 jours. Voilà. Et donc, même s'ils ne viennent pas d'un email, vous êtes quand même en mesure de cibler ces visiteurs. Et là, j'ai mis quelques exemples de campagnes qui me paraissaient intéressantes dans ces cas-là. Les arguments de réassurance, soit justement de rappeler votre démarche, ce qui vous différencie, vos valeurs, etc. Pour quelqu'un qui n'a pas acheté chez vous depuis longtemps, mais qui revient quand même sur votre site, c'est qu'il y a quand même un intérêt. Et ça peut être pas mal de jouer justement la carte, de rappeler ce qui fait que peut-être il a acheté la première fois et qu'il reviendra chez vous. Donc j'aime bien justement parce que c'est pas l'exemple du code promo, c'est vraiment un autre type de stratégie un peu plus soft et qui met en valeur votre marque. Et là on a un autre exemple de Balzac où ils affichent du coup tous leurs arguments de vente a priori, donc la livraison en 3-4 jours, donc pour informer sur leur politique de livraison, mais aussi sur leur politique de retour, et aussi avec une incentive, donc une jolie surprise se glissera dans votre colis pour tout achat. Voilà, donc là, ils ont misé sur tous les arguments de réassurance possibles, donc ça peut être une stratégie intéressante aussi à mettre en place. Combien de temps il nous reste Eh bien, il nous reste pas longtemps, donc si vous avez des questions, peut-être qu'on peut... Non, il n'y a pas de questions. Ok, bah alors je termine. A une conversation Klaviyo de folie sur le chat. Je pense qu'il y a Anaïs et Benjamin qui sont chauds sur le sujet, quoi. Ok, ils sont là sur Klaviyo et ils sont en train de se poser la question de bouger. Non, ça s'échange des codes. Ah ouais, d'accord, ok. Ça marche. Bon, alors je finis sur les derniers petits exemples. L'offre spéciale, donc là on voit un exemple de la marque Ocaran qui utilise la stratégie BOGO, buy one, get one free. Enfin là en l'occurrence c'est acheter un sérum et profiter du second à moins 50%. Donc ça c'est une bonne stratégie pour peut-être mettre en avant des produits que vous voulez écouler ou des nouveautés que vous voulez faire découvrir. Donc voilà. Sous forme de notification, donc pas intrusif, permet d'y accéder à tout moment pendant la navigation, ça booste le panier moyen parce que voilà, il y a une offre spéciale. Dernier exemple, je crois, c'est les recommandations de produits. Donc, pareil que pour l'email, même stratégie, mettez en avant vos best-sellers. Pour mettre voilà, les produits que tout le monde aime de manière pas intrusif. Et là, je pense que c'est vraiment le dernier exemple, le programme de fidélité, parce qu'en l'occurrence, c'est des personnes qui ont déjà acheté chez vous et ça peut être pas mal de faire des, justement, d'incentiver sur le programme de fidélité, peut-être si vous en avez déjà un qui est mis en place, de potentiellement doubler les points sur le prochain achat ou voilà, ce type de mécanique. Donc, j'espère que... Je ne sais pas ce que vous pensez de tous ces exemples. Est-ce que vous vous projetez avec ce type d'exemple ou pas
Si vous avez déjà testé ou si vous allez en tester un, je serais curieuse de savoir. Et alors là, j'ai fait, moi, je me suis amusée, c'est moi qui ai créé ce petit exemple parce que c'est toi, Hugo, qui m'a donné l'idée de montrer qu'en fait, on peut aussi être original et créatif quand on fait des pop-up. Et vous pouvez, par exemple, créer la forme de votre choix. Donc là, je me suis imaginée vendre des savons solides. Et ben, du coup, j'ai créé une pop-up en forme de savon. Mais vous pourriez, je sais pas, créer une pop-up en forme d'étoile, de cœur, de ce qui représente votre marque. Et c'est sympa, avec justement le petit teaser ici. Et c'est quand on clique dessus que ça fait apparaître la campagne. Donc pareil, si vous voulez quelque chose de moins intrusif que la pop-up intempestive qui interrompt le visiteur, bah, vous pourriez avoir ce type d'expérience. Ah, c'est très cool ça. Bah, c'est vrai que j'ai lu hein, que les pop-up de forme originale convertissent mieux que les pop-up de forme classique. Donc, voilà, et c'est pour ça, voilà, c'est ça. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas, tu m'avais appris quelque chose. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais il faut absolument que je rajoute un slide pour montrer que c'est possible. Donc, voilà. Ouais. On arrive à la fin. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet atelier, ce que vous avez retenu. Ce qui vous a marqué, c'est toujours intéressant de savoir ça pour nous améliorer pour la suite. Si vous êtes intéressé pour avoir les slides, on peut vous les envoyer. Avant de partir, donc la petite offre qui va bien. Avec Hugo, on vous propose donc côté Wise Pops de vous faire bénéficier de un mois d'essai gratuit si vous n'êtes pas encore client et ou d'un accompagnement personnalisé sur la création d'une campagne de votre choix. Donc, si par exemple vous êtes déjà client, n'hésitez pas, je vous donnerai le lien pour nous contacter et je vous accompagnerai de A à Z sur la création de la campagne, du design jusqu'aux paramètres de targeting, etc. Que ce soit sur une campagne de win-back justement ou autre. Donc voilà. Et Hugo vous fait bénéficier d'un audit gratuit email marketing. Donc je vais vous mettre le lien pour faire la demande et pour en bénéficier dans le chat. N'hésitez pas si vous avez des questions que vous voulez nous poser, parce que là bon, on arrive au bout d'une heure, mais si vous voulez nous en poser en off, n'hésitez surtout pas à envoyer un petit email. Moi, je réponds toujours aux emails, donc n'hésitez pas à me contacter, email, LinkedIn. Ce sera toujours avec plaisir que je répondrai à vos questions. Ben, merci beaucoup, Hugo. En tout cas, tu vois, niveau timing, je pensais qu'on n'allait pas du tout gérer, mais finalement, ça va, ça s'est passé. J'ai un peu accéléré sur la fin. J'espère que c'était compréhensible, mais c'est toujours comme ça. J'arrive pas à me limiter à quelques exemples. J'ai envie de trop en dire. Mais voilà. Si vous avez envie de justement plus d'exemples, de creuser certains aspects, comme Hugo disait, n'hésitez pas à nous solliciter, que ce soit moi ou Hugo. Merci à tous en tout cas. Ouais, on n'a plus qu'à vous remercier. Un plaisir de faire ce webinaire avec vous. Pareil. Je suis très contente. Bah, je pense qu'on va réitérer ça. Il y a plein de sujets qui ont émergé. Donc peut-être qu'on pourra trouver une autre idée de session pour prolonger un peu. Cette thématique autour de la rétention. Yes, carrément. Bon, bah, merci beaucoup pour vos retours. Passez une bonne soirée et voilà, bonne n'hésitez pas à profiter de l'offre si ça vous intéresse. Et puis à très bientôt. À bientôt. Merci encore. Salut. Ciao, ciao. Ciao, merci à toi.